Dimanche, studieux pour le gouvernement grec qui peaufine les propositions de réforme qu'il doit présenter ce lundi à Bruxelles. Une première version a déjà été envoyée. Elle sera probablement revue et corrigée avant d'être soumise à l'Eurogroupe demain. S'engager sur des réformes crédibles, c'est la condition qu'Athènes doit remplir pour obtenir l'extension de 4 mois du financement de son économie par les institutions, l'ancienne Troïka. Grand vainqueur des législatives de janvier, le gouvernement d'Alexis Tsipras peut compter pour l'instant sur un fort soutien populaire. Je n'ai pas peur, affirme cette femme. Je n'ai pas d'argent, alors je ne peux pas avoir peur. Je n'ai pas d'épargne, je fais partie de la classe moyenne qui n'a jamais eu beaucoup d'argent. On vit au jour le jour. Je ne suis pas inquiète. Et puis je fais confiance à ce gouvernement. Nikos Pappas, un bras droit du Premier ministre, a averti aujourd'hui que certaines réformes ne seraient pas négociables.